Je m'appelle Linda Anello. Je vis à Saint-Pétersbourg, en Floride, avec mon mari Nelson et nos enfants Lorissa et Brian. Nelson travaille à la compagnie d'électricité de Floride et moi à l'école primaire locale. Notre vie est assez régentée par les enfants, la gym, le dessin, la musique, le softball. Et c'est au cours d'un match de softball que nous avons connu Kurt Harper. Kurt était volontaire pour arbitrer ses matchs de filles. Il était plutôt calme, ordinaire, anonyme. Mais il se passait quelque chose en lui quand il mettait son uniforme d'arbitre. C'est pas mal du tout, Lorissa. C'est très bien. Faut continuer comme ça. Et c'est ton futur gendre qui arbitre aujourd'hui, Linda? Très drôle, très drôle. Merci. Eh, hey, c'est plutôt bon comme idée. Il va sûrement nous avantager. Elle était chouette, cette partie, Lorissa. Surtout le quatrième carton. Merci. Chouette, le petit fiancé à Lorissa. À bientôt. Non, on se verra à la grande finale, Lorissa. On pourra faire quelques balles avant. Oui, bien sûr. Bonne partie, hein? Vient d'arriver pour toi. Pour moi? C'est pas vrai. Lis la carte. Tiens. D'un admirateur secret. Maman, c'est toi ou papa? Hein? Non. Oh. Bizarre. Et voilà celui qui te fait rêver, Lorissa. T'imagines pas comment il est déguisé. Bonjour, Lorissa. Salut, Kurt. Je vais pas arbitrer le match demain. Elle est pas mal, cette tenue. Tu trouves pas, Lorissa? Pompier volontaire. J'ai signé. Oh, super impressionnant. Tu trouves pas, Lorissa? Cathy, tu veux bien lancer la balle? Kurt, excuse-moi, il faut que je m'échauffe, d'accord? D'abord, il faut répondre à une petite question. Est-ce que les fleurs t'ont plu?
Tu sais combien elles m'ont coûté? 45 dollars plus le livreur. Ça fait un joli paquet pour des fleurs. Et même si on est en pleine récession, ça ne m'ennuie pas de les avoir dépensées parce que t'es génial. Ah, oh. Cela dit, je peux dépenser cette somme parce que je suis un homme qui a beaucoup de chance d'avoir du travail. Et puis surtout, c'est normal pour une jeune fille exceptionnelle. C'est moi, ton admirateur secret. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Oui. Excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? S'il te plaît, je peux avoir ma balle? Non, je pensais à merci pour les... Les fleurs. Merci bien pour les fleurs, Kurt. Tu arrêtes, Kurt! Il faut qu'on s'entraîne! Une petite chose. Comment est-ce que tu vas lancer contre Brooke Palmer aujourd'hui? Oh, j'en sais trop rien. Elle est en super forme. Bas et à l'intérieur. Mais tu ne le dis à personne que je t'ai raconté ça. C'est notre secret. Merci. S'il te plaît, maman, tu ne dis rien de cette histoire aux autres mères. Surtout pas à celle de Cathy. Je me fais déjà assez charrier comme ça. Comme tu veux. Tu préfères que j'en touche deux mots à Kurt? Maman, t'es folle! Bon, très bien, on n'en parle plus, mais tant que je n'ai rien dit. Chérie, je ne trouve pas cela normal qu'un homme envoie des fleurs à un enfant. Maman, je suis plus une enfant. Lorissa, la majorité des hommes de 24 ans ne s'intéressent pas aux jeunes filles de 14 ans. Donc ça m'inquiète un peu. Il n'a pas l'air de s'intéresser aux femmes de son âge. Je suis plutôt de son niveau. C'est gentil, maman. Tu m'as vraiment remonté le moral. Écoute-moi. T'es brillante, jolie, sympathique. Et bien sûr, il t'adore. Mais je ne veux pas qu'il t'adore un peu trop et d'une mauvaise façon. Bon, je vais l'éviter à partir de maintenant. Mais tu ne lui dis rien. Toute sa vie, c'est d'arbitrer des matchs de softball. C'est super triste. Je ne veux pas qu'il puisse se sentir rejeté alors qu'il veut seulement être gentil. C'est tout. Tu es quelqu'un de bien, tu le sais. Oh, c'est d'accord. Mais si jamais il arrive quelque chose, je veux le savoir. Toutes les semaines depuis 5 semaines. Et il y a les petits mots avec les bouquets de fleurs. Mais elle a à peine 14 ans. Tu as parlé de ça avec lui? Oh, je lui ai promis de ne pas le faire. Je me demande pourquoi il a choisi le restaurant. Oh, il a un faible pour elle depuis qu'elle a 11 ans et qu'elle joue au softball. Elle a toujours été gentille avec lui aussi. Elle ne s'est jamais moquée de lui comme les autres. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Kurt n'y peut rien s'il est un peu différent. Alors traitons-le comme n'importe qui. Il n'est pas dangereux. Oh, il a le QI d'un mollusque, alors ça ne fait pas de différence. Je pense pas qu'il soit dangereux, n'est-ce pas? Non, je pense pas. Mais je ne veux pas non plus être une de ces mères trop protectrices. À propos d'ailleurs, est-ce que l'une de vous a vu comment Janet Stanley s'est comportée à Sarasota la semaine dernière? Est-ce que j'ai pu être gênée? Quoi? Elle a recommencé. Alors? Pouf, c'est pas la peine d'en faire toute une montagne. Je parie qu'il l'aime comme une petite sœur. Peut-être, mais il n'envoie pas des bouquets qui valent une fortune à chaque membre de l'équipe. Chérie, tu sais comment tu es par moment? Non, comment je suis? Ça veut dire quoi, exactement? Rien du tout. Mais mettons que j'ai rien dit. Bonjour. Bonjour. Oh! Bah dis donc, je te trouve très élégante pour un jour de rentrée scolaire. On dirait un mannequin. Tu trouves pas, Brian? Elle est pas mal. Elle est splendide. T'es sûre? Parce que j'arrivais pas à me décider si je devais mettre une robe ou un pantalon. Mais oui, je comprends. Et tu sais que Kimberley n'a pas déménagé? Alors ça, c'est un coup de chance. Sa mère passe te chercher? Bientôt. On veut arriver en avance parce que l'université est immense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus de 1000. C'est dingue. Oh, il faut que j'y aille. Au revoir. Bon, au revoir. Bonjour. Au revoir. À ce soir.
4 années et on en a fini avec le collège. Comme le temps passe vite. Ouais, ces 14 ans ont passé très vite. Ouais. Ouais. On a été plutôt bons, hein. Tu sais, avec les enfants, la maison et tout le reste. Oui. Je crois qu'on peut toucher du bois. On a eu de la chance. Au revoir, maman, je te téléphone. J'espère bien. Au revoir. Merci, madame Elliot. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu trouves pas qu'il y a des élèves qui ont l'air bien adultes? Je sais. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être toute... petite. Regarde, il y a Gilles. Bonjour tout le monde. Salut maman. Salut. Salut. C'est quoi ça? C'est arrivé par la poste pour Larissa. C'est sûrement pour mon anniversaire. Oh non. C'est bizarre. Ton anniversaire, c'est le mois prochain. C'était dedans, maman. C'est quoi ça? Un chèque à ton nom. Très bien. On remet tout ça dans la boîte. Je vais tout réexpédier. Retour à l'envoyeur. Je peux tout de même pas lui tomber dessus parce qu'il lui offre un cadeau, voyons. Tu n'as qu'à lui dire quelques mots, c'est tout. Tu peux être aimable et lui faire comprendre qu'il arrête, s'il te plaît. Dans 2 semaines, elle aura 15 ans et elle va changer de catégorie de toute manière. Alors il arrêtera tout. Chérie, ne rien faire et ne pas prendre position, ça ne marche pas avec tout le monde, tu le sais. Oui. Oui, je sais. Kurt! Kurt, il faut que je te parle, Coco. Il vaut mieux arrêter tout, d'accord? Alors, tu vois ce que je veux dire, là? Les fleurs, les lettres, les cadeaux, ça met Linda en colère. Et moi, je t'avoue que j'aime pas ça non plus. Qu'est-ce qu'elle dit, Larissa? Non, écoute. Je te demande, étant donné que je suis le père de Larissa, de tout arrêter tout de suite. C'est terminé, terminé! Vous avez vu le feu dans la 10e rue hier soir? Le bâtiment est en cendres. C'est volontaire, d'après la police. Des gamins. Faut reconnaître qu'il y en a qui sont de la très mauvaise graine. Hein. C'est moi qui vous le dis. Ils sont très dangereux. Attends, je comprends pas. Là, qu'est-ce que c'est, ça? C'est une menace? C'est une menace? Jamais, jamais, Nelson. J'ai même combattu le feu. Je suis pompier volontaire, maintenant. Vous avez vu mon uniforme? Le rouge? C'est génial. L'économie bat de l'aile, aujourd'hui. Et vous le savez, non? Ça va pas très fort. Sans doute. Cela dit, la crise va bien finir par se résorber toute seule. Je crois que c'est pas la peine de se traumatiser pour ça. Bon, dis-moi, tu connais la famille depuis longtemps et la famille te connaît depuis longtemps. Et on aimerait bien que les choses continuent agréablement, n'est-ce pas? Bon, tu aimes bien et tu respectes Linda. Tu veux pas la mettre en colère, n'est-ce pas? J'aime bien Linda. Bien. J'aime bien aussi Loris. Voilà. Je vous aime bien, vous aussi. Eh ben, écoute, d'en voir, c'est bien tout ça, c'est très bien. Écoute, qu'est-ce qu'on vient de décider pour Larissa? Il y aura plus de fleurs. Très bien, c'est ça. Il y aura plus de fleurs, il y aura plus de cadeaux. On est d'accord. Il y aura plus de fleurs, hein? On dirait qu'il a mis ton téléphone sur table d'écoute. Ou est-ce qu'il arrive à communiquer par télépathie avec toi ou... Je sais pas. Par pitié, dis pas ce genre d'annerie. Je plaisante. Tu vas pas te traumatiser.
Il nous a forcément suivis, c'est tout. D'ailleurs, ce serait pas la première fois. Il se gare à 200 mètres à peine de la maison. Et il attend des heures sans bouger. J'aurais une peur bleue. Je t'en prie, tu dis rien. Enfin, t'en parles pas à Derrick. Mais non, t'affole pas. Cela dit, Kevin lui en a peut-être déjà parlé. Kevin est au courant? Comment il est au courant? Écoute, j'ai pas fait exprès. Oh non! Tu veux voir s'il attend pas dehors? Si tu veux. Rien en vue. Voilà, je crois qu'il y a tout. C'est quand même mieux qu'un restaurant qui empeste, non? Vous voulez autre chose? Non. Ah, il y a des biscuits dans le four. Allez, à plus tard, amusez-vous. Merci. Merci, maman. Vous avez remarqué, Prête et Stéphanie dans la cafétéria, c'était un peu gros, ils se donnaient pas que des bisous. Elle en passe pas pour Derrick. Bien sûr, elle dit que la tête de Derrick avec le corps de Brett, on peut pas trouver mieux par ici. À condition d'oublier toute personnalité. Non, une petite minute. Je croyais que t'aimais bien Derrick, vous avez pas arrêté de vous parler pendant tout le match. Pas vraiment, non. Il est resté que la première mi-temps avec moi. Et très franchement, il est drôle, je l'aime bien, mais plutôt en copain. C'est vrai, elle préfère les types plus âgés, n'est-ce pas? Quoi? Entre nous, sortir avec un garçon n'est pas une priorité pour moi. Oh, arrête pas, moi! Si! C'est pas des blagues, je te jure. J'aime pas la pression. Je veux pas pour l'instant. Tu peux... Oh, il y a des risques. Écoutez... Ma mère m'a dit qu'elle était encore vierge quand elle s'est mariée et elle avait presque 23 ans. Toutes les mères disent ça. Elles sont obligées. C'est peut-être vrai. C'est ça, et moi j'ai le physique de Kim Basinger. Oh non. J'aurais bien voulu naître il y a 25 ans. Je vais me chercher un soda. Quelqu'un en veut avec moi? Moi, oui. Moi aussi. Moi, je t'accompagne. Buvez-en. Tout le monde croit que ce genre de truc dissout les graisses, alors. Attends. Faut se lever, les petites créatures! Il ne faut plus traîner, mes adorables petites cailles! C'est l'heure! Maman! Cette fois, c'est lui. Attends, reste à l'intérieur. Ça va aller, ça va aller. Ah, bonjour, Linda. Je voulais juste voir comment vous allez parce que je sais que Nelson est allé à la pêche. Ça ne m'étonne pas de toi. Kurt, quelle est la couleur que tu ne peux pas supporter? Quelle est la couleur? Je ne supporte pas. Ce serait peut-être orange ou alors pourpre. Parfait. Je vais donc aller immédiatement au premier supermarché acheter une bombe de couleur orange et une de couleur pourpre. Et la prochaine fois que tu te pointes ici, je pulvériserai ta voiture d'orange et de pourpre d'un pare-choc à l'autre. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est tout à fait illégal et cette voiture est comme une propriété. On n'a pas le droit d'abîmer une propriété. C'est une propriété privée aussi. Et c'est comme ma fille. Est-ce que tu as compris? Bien sûr. Bien sûr. Je ne veux plus te voir! Vous êtes d'accord avec ce qui suit? Curtis Harper accepte de ne plus avoir le moindre contact avec un membre de la famille Anello, que ce soit par courrier, par téléphone ou de vive voix. S'il veut avoir un contact, la famille Anello se réserve le droit d'entreprendre des actions en justice. Si on est tous d'accord, j'ai juste besoin de vos signatures, monsieur et madame Anello.
Monsieur Harper, signez au bas de la page. Vous voulez vraiment que moi aussi je signe ça? On voudrait que tu en comprennes le sens et que tu signes, oui. D'accord. J'ai été bien contente de vous revoir. Ça me manque de ne plus vous voir au softball. Je peux toujours arbitrer, vous savez, et pas seulement là-bas. Est-ce que tu as bien lu la feuille de papier que tu viens de signer? Nelson, est-ce que Linda serait un peu fâchée après moi? Tu sais, Kurt, on pense qu'il est grand temps pour toi que tu changes de situation. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Je pense que je vais essayer de devenir pompier. Parce que je pense que je peux être très utile et c'est un boulot stable. Et le salaire, pour commencer, est très raisonnable. Et surtout, en cette période de difficulté, il y a tellement de types qui se retrouvent au chômage. C'est comme pour le grand magasin sur le boulevard. Tu ne fais que l'encourager. Il ne faut pas que tu lui parles. Je veux pas qu'il devienne fou furieux, c'est tout. Ça ne va qu'empirer la situation qu'il est déjà assez. Tu dégages tout de suite! Elle est publique, cette école! Et elle est payée par les impôts! Et moi, je paye des impôts! J'ai le droit d'être là! C'est une école publique! Je t'aime, Larissa! Je t'aime! J'ai le droit de venir ici! Je t'aime, Larissa! Toutes les plaintes que vous avez déposées sont venues sur mon bureau, service des jeunes délinquants. Et c'est ennuyeux. Vous avez remarqué que ça continue d'être étrange. Et il y a les coups de téléphone. On a pensé qu'il se calmerait s'il ne la voyait plus au stade. Mais ça, ça fait presque un an. C'est un malade. On a essayé de le poursuivre en justice. Et il restait là à sourire. Oh, et... Il a signé ça. Il a disparu pendant une semaine, mais depuis, c'est le requin des dents de la mer. On ne le voit pas physiquement, mais on sait qu'il est là. Et on sait qu'il va recommencer. Il y a sûrement un moyen d'arriver à le dissuader. On peut peut-être lui mettre la brigade des mœurs sur le dos. Bah, c'est vrai, c'est une mineure. Je vais voir ce que je peux faire, mais d'ici là, mettez-vous sur la liste rouge, s'il vous plaît. Ça vous ôtera déjà un sérieux poids, en tout cas. Nelson Anello. Nelson Anello, j'écoute. Salut, Nelson. Ah, c'est toi, Kurt. Pour te dire la vérité, je me doutais que c'était toi. Dites, ça va être l'anniversaire de Larissa. Et je voulais vous demander ce qui lui ferait plaisir. L'an dernier, elle n'a pas aimé ce que je lui ai envoyé. Elle a tout jeté dans la rue. C'était pas vraiment sympa. Écoute, Kurt, on a déjà parlé de ça. Bon. Je me disais qu'on pourrait peut-être se voir quelque part pour parler de son anniversaire. Cela dit, on peut aussi parler d'autre chose. Écoute, Kurt, tu m'as déjà demandé la même chose plusieurs fois. Et tu n'es jamais venu, tu te souviens? Et oui, bien sûr, mais j'ai tellement de responsabilités. Mais cette fois, je viendrai, ne vous inquiétez pas. On peut se retrouver au stade? D'accord, Kurt. Je peux y être dans environ une heure. On a pas mal de choses à régler. Très bien, ça marche. Allez, à tout de suite. Allô, l'inspecteur Paul Amos, brigade des mineurs, s'il vous plaît. Attention, on marche. Ton fabuleux admirateur. Il s'est garé dans le coin des handicapés. Ça tombe très bien. Et si jamais il faisait quelque chose de bizarre? En plus, c'est le premier jour que j'ai la voiture. Tu continues à marcher, tu ne le regardes pas. Il est toujours là. C'est comme si j'étais hantée. Je te dis de ne pas le regarder, alors tu ne le regardes pas. Mais c'est pire que tout, c'est un...
pas un fantôme, il est vivant et il pourrait faire n'importe quoi. Il ne suivra plus maintenant. Il va rester ici jusqu'à ce que ma mère rentre à la maison. Il est malade. Oui, je sais. Il faudrait peut-être que je me rase complètement le crâne pour arriver à le dégoûter. C'est toi qui deviens malade. Je disais ça pour plaisanter, non? Il faut savoir garder son sens de l'humour, même dans cette situation. Alors? Vous allez à la fête après le match de vendredi? Je suis pas sûre. Entre nous, je suis pas trop sûre non plus. Ma mère pourrait nous emmener. Le seul intérêt d'avoir 16 ans, c'est que les parents ne sont plus obligés de t'emmener partout. Et puis d'ailleurs, Lorissa, Quoi? Dis-moi. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? C'est quoi? Dis-lui. Écoute, Lorissa, ma mère m'a dit que je ne pouvais plus sortir avec toi le soir. Oh, la mienne, c'est pareil. Je lui ai dit que je trouvais ça totalement ridicule. Je lui ai dit qu'en fait, il n'avait jamais rien fait et qu'il faisait que rester dans le coin. Partout où tu vas, il y a Kurt. Il faut reconnaître qu'il est tellement anormal. Il devrait pas faire ça. Ça tient pas une seule seconde debout. Et... Mais qu'est-ce qu'il va faire après? On a l'impression de vivre à côté d'une bombe. Excuse-moi, Lorissa, mais... Non, non, je comprends. Rassurez-vous, je vous jure, c'est vrai. Je ne sais pas trop comment... Tu supportes tout ça? Si c'était moi, je me serais effondrée comme une larve depuis des lustres. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais pas le laisser démolir ma vie. Je peux pas accepter, c'est dingue. Je veux pas. Fatma. Qu'est-ce que tu vas conduire? Moi, je me suis acheté une voiture d'occasion. Regarde, sur celle-là, j'ai tout fait refaire. J'ai changé les pneus, j'ai refait les freins, un nouveau système d'alarme. Brian, montre à ta sœur comment fonctionne l'alarme. Et moi, j'aurai une voiture quand j'aurai 16 ans? Bien sûr, Brian, il faut toujours croire au Père Noël. Merci beaucoup, oh, maman. Ma chérie, tu le mérites. Mais je ne veux pas que tu ailles seule dans cette voiture. Et partout où tu iras, tu en parles à ton père ou à moi d'abord, même si c'est au bout de l'arc. Oui, 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 c'est promis. Madame Anello? Ah, bonjour, inspecteur. Bonjour. Bonjour. J'ai une nouvelle qui devrait vous intéresser. On a arrêté Kurt Harper hier soir pour harcèlement téléphonique et effraction. Oh. Non, c'est génial! Mon Dieu, merci. C'est vrai? Vous l'avez arrêté vraiment? Je suis obligé de vous condamner à 1 an de mise à l'épreuve. Vous devrez aussi voir un psychiatre toutes les semaines. Je vous condamne aussi, Monsieur Harper, à n'avoir aucun contact avec Lorissa Anello, ni avec un membre quelconque de la famille Anello. Vous ne leur téléphonerez pas, vous n'irez pas garer votre voiture devant ou dans une rue adjacente à leur propriété. Est-ce que c'est bien compris, Monsieur Harper? Oui, Monsieur le juge. Affaire suivante. La mise à l'épreuve de Kurt ne changea pas grand-chose. Et il savait s'arrêter. C'était très bizarre. Chaque fois qu'il enfreignait la loi, le juge rallongeait la mise à l'épreuve de quelques mois. Il faisait partie de notre vie quotidienne. Je regardais dans le rétroviseur et sa voiture grise était là. Et quand je ne la voyais pas, j'étais aussi mal à l'aise. Thank you.
Reste pas par ici, mon vieux. T'approche pas de ma sœur ou je te massacre. T'as compris, tu t'approches pas d'elle. Je te règle, Carter. Maman, s'il te plaît, une seule fois. C'est seulement à 20 minutes d'ici et une fois que j'y serai, je serai au milieu d'une quarantaine de copains et de copines. Chérie, non. Maman, je ne pourrai pas rester avec mes parents ou dans ma maison chaque minute de ma vie. C'est comme si c'était moi qu'on avait mis à l'épreuve ou qu'on avait arrêté. On n'a même pas vu Kurt depuis 2 semaines. D'accord. Tu vas à l'école dans ta voiture et je vais te suivre avec la mienne. Ça marche, ça? Et après, quand vous serez tous revenus, tu m'appelles. Je viens te chercher et on rentre ensemble. Ça te va? Ça me va. Allez, Jérôme, dépêche-toi. C'était vraiment génial aujourd'hui. Pour une petite flûtiste, bien sûr. Merci, c'est vraiment flatteur. On est une petite bande à aller manger un morceau. Tu veux venir? Ah oui, je... Oh, je voudrais bien venir, mais... En fait, je ne peux pas. Je suis vraiment désolée. Ah, ça fait rien. Bon, un de ces jours, sans doute. Au revoir. Dis-moi, tu n'as pas l'air tellement emballée. Si, maman, c'était génial, mais on a été seulement à demi-génial. Vous avez fait combien? 3e. Fera mieux la prochaine fois. Chérie, tout va bien? Oui, maman, ça va bien. Je suis juste un peu fatiguée. Dis, t'es pas obligée de venir pour me suivre jusqu'à la maison? Non. On était d'accord pour que je te suive, tu te rappelles? Maman, je préfère pas. Je me mets en route, je me dépêche. Maman, je ne veux pas que tu me suives. S'il te plaît, sois gentille. Tu es vraiment sûre? Oui. D'accord. Alors je vais sortir dans la rue et attendre que tu arrives. Tu as quelqu'un pour t'accompagner jusqu'à ta voiture? Ça te va? Ça me va. Au revoir. Au revoir. Lorissa, je t'aime. Non. Dis, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi t'aimer. Je ne veux pas. Je me veux te rendre heureuse. Je suis folle. Je veux être avec toi. Lorissa. Laisse-moi tranquille. Lorissa. Lorissa. Non.
est témoin de la scène? Mais il est reparti? Non. Et c'est quoi ça? C'est une preuve, non? Non, madame, il faut un témoin. Et tout ça, tous ces dégâts sur le côté, comment elle a pu faire ça contre un mur? Tout ça, c'est bien à cause de lui, non? Il l'a forcé à faire ça. Tout ce que vous avez, c'est une preuve qu'elle a frotté quelque chose. Ce qu'il faudrait, c'est une preuve matérielle qui lie sa voiture à la sienne. Des traces de peinture, de chrome, par exemple, mais... Enfin, selon la loi, on n'a rien de tangible pour l'arrêter. Mais je vais faire un rapport. Encore un rapport? Mais enfin... Mais si le concierge n'avait pas été là, qu'est-ce que vous auriez pu mettre dans votre rapport? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'engage un garde du corps ou que je paie un tueur à gages? Enfin, tu es son père. C'est toi l'homme ici. Alors si tu ne te décides pas à faire quelque chose très vite, je te jure que notre fille finira au milieu d'une statistique. Et je ne sais pas si on pourrait se supporter, en sachant que quand notre fille avait des problèmes, toi tu n'as rien fait. Mais tu crois vraiment que je n'ai pas envie de massacrer ce guignol? S'il ne s'écarte pas de la loi, ce sera moi alors qui finirai en prison. Et lui serait toujours là dehors. Et s'il décidait de se venger de moi en attaquant Larissa, tu y as pensé? Qu'est-ce qui pourrait la protéger alors? Il faut envisager cette possibilité, on y est bien obligé, non? Les réflexions, les théories ne vont rien arranger. Il nous a mis à l'épreuve, à notre tour, pour voir si on prendrait la situation en main. Et toi, tu n'as rien fait, alors il a agi. Aujourd'hui, c'est lui qui contrôle la famille. Mais tu sais bien qu'il lui manque une case. C'est un véritable malade. C'est pour ça qu'il faut absolument que je garde mon sang-froid. Tu comprends? Il faut garder la tête froide. Tu ne sortiras pas de cette histoire avec de la logique. Non. Non, tu ne peux pas régler cette folie en faisant appel à la logique. J'ai failli avoir votre fille hier soir. Ça ne tiendra pas devant un juge. Non, sans témoin, cette lettre ne suffit pas pour le relier à un acte précis. Bien, merci quand même d'être venu si vite. Oh, aucun problème, je suis dans le secteur. Je le surveillerai. C'est une pièce à conviction, n'est-ce pas? Et c'est une nouvelle violation de sa mise à l'épreuve qu'on ajoutera à son dossier. Et voilà une autre pièce à conviction. Larissa. Est-ce que vous reconnaissez ces lettres? Oui. Elles sont bien de lui, Curtis Harper. Il n'arrête pas de m'en envoyer. Et vous en avez reçu beaucoup depuis 2 ans? Des douzaines. Vous voulez bien regarder ces lettres et me dire si vous remarquez quelque chose de différent? Il m'a envoyé celle-là après le soir où il m'a poursuivi après l'école. Et il les a envoyées toutes le même jour ou il a espacé ces envois? Il les a espacées. Larissa, vous voulez bien en lire quelques-unes pour la cour? Chère Larissa, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci à ta voiture? Signé Curtis Harper. Cher Nelson, veuillez s'il vous plaît téléphoner chez moi ce dimanche soir parce que j'ai besoin de vous parler à propos de ce que j'ai fait à Larissa. Quand vous appellerez, soyez pas fâché ou foudrage. Curtis H. Chère Larissa, je te surveille. Je vois tout ce que tu peux faire. Je ne te quitte pas des yeux. Pas une seconde. Curtis. Chère Larissa, je vais t'appeler pour te réveiller.
l'œil, Larissa. Chère Larissa, je vais te surveiller aujourd'hui et quand tu sortiras, je t'attraperai. Je suis là. Tu sais ce que je vais te faire si jamais j'arrive à t'attraper tout à l'heure. Monsieur Harper. Monsieur Harper. C'est la quatrième fois que vous comparaissez devant ce tribunal pour harcèlement envers cette jeune femme. Et c'est parce que vous n'avez pas comparu devant moi personnellement avant aujourd'hui que je me résous à vous offrir une nouvelle chance pour vous rattraper, pour chercher une aide psychologique. Mais une nouvelle violation de cette règle, et je veillerai à vous punir sévèrement. Que les minutes du procès indiquent que si l'accusé était arrêté une nouvelle fois, il devrait comparaître uniquement devant moi. Je ne plaisante pas du tout, Monsieur Harper. Nous avons commencé à croire que notre situation était désespérée. Puis, nous avons appris que Kurt s'était affolé et avait quitté l'État. Il était sorti de notre vie pour la première fois depuis 2 ans. Larissa retrouvait une vie normale. Elle s'était trouvé un travail à mi-temps au centre commercial. On la laissait ressortir avec des garçons. Et on pouvait enfin être rassuré avec Nelson. On redevenait un couple. Oh, bien sûr, on continuait à avoir des nouvelles de Kurt. Il habitait chez sa grand-mère, mais il nous écrivait régulièrement. C'est l'heure de préparer le mariage. Regarde le cachet de la poste. Je suis revenu. Excusez-moi, monsieur. Vous n'auriez pas vu qui a mis ça dans ma voiture? Je m'en vais dans quelques minutes. Maman... Non, maman... Non, je crois pas... Je crois pas que ce soit nécessaire. Ma voiture n'est pas garée très loin. D'accord. D'accord. Merci. Bonsoir, à vendredi. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Alors, bonne journée. Sans problème. Ma voiture est dans l'autre rangée, juste au bout, à droite. Grave, tu étais debout toute la journée. Maman, non. J'ai été une mère pendant 17 ans. Je commence à avoir l'habitude. Ça va? Bien. Extraordinaire, petit hôtel. Ça a été la semaine la plus fabuleuse de toute ma vie. Non, je dirais la plus fabuleuse depuis notre mariage, je m'en souviens. Et aujourd'hui, enfin, maintenant que les enfants sont plus grands, on peut partir sans culpabiliser. C'était le vrai paradis, je t'assure. Tu devrais t'arranger pour y aller. Oui, ça doit être fabuleux. Ah, ça, c'est sûr.
Dis, t'as pas dit que ça commençait à 8h, faudrait peut-être y aller. Larissa, on s'en va. D'accord, amusez-vous bien. Tu veux venir, s'il te plaît? Oh là là, maman, qu'est-ce que t'es élégante. Merci. Toi aussi, papa. Ah, merci. Oh, bonjour, madame Boyer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Larissa. Je t'ai laissé un mot, tu peux nous joindre par téléphone. Et à l'entracte, c'est moi qui t'appelle, d'accord? Tout ira bien. On ne rentre pas tard. Dites-moi, j'ai réservé une table à 11h à la véranda. Après le théâtre, c'est génial pour aller souper. Ah, oui, on verra. Bon, et ton frère est chez les Troyes, j'ai laissé le numéro. Et je branche le système d'alarme. Maman. Linda. Oui, oui, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais faire du patin, mais enfin, tu connais Rick. Je n'ai réussi qu'à le convaincre de louer des petites mobilettes poussives. Et on a fait le tour de l'île. Puis alors là, d'un seul coup, Rick s'est mis dans la tête de faire de la plongée sous Rick, fais demi-tour, ramène-moi à la maison. À la maison? Quel est le problème? J'ai les billets. J'ai vu sa voiture qui roulait vers la maison, alors je t'en prie, fais demi-tour. Chérie, il n'a pas traîné près de la maison depuis des mois. Ça m'est égal, je ne prends pas de risque avec un malade. Il doit y avoir au moins 500 voitures qui lui ressemblent. Tu veux tourner au prochain croisement? Et puis on peut pas tourner à gauche. Fais le tour de l'immeuble si tu veux, mais ramène-moi à la maison. D'accord, d'accord, d'accord. Il va tourner à droite là. Allez, calme-toi, calme-toi. Là, tu vois, il n'y a pas de trace de lui. Enfin, il va pas se garer devant la maison. Et puis d'ailleurs, j'ai prévenu les voisins. Larissa? Je vais voir derrière. Oui. Larissa? Larissa? Elle n'est pas là. Elle a dû aller chez une copine. C'est pas vrai, non. J'appelle la police. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? On peut encore y aller, hein? Non, je reste ici. Linda, chérie, tu t'affoles pour rien. On n'a pas vu ce malade depuis plusieurs mois. Oui, mais on sait qu'il est revenu par ici. On a bien une photo avec le cachet de Saint-Pétersbourg. Mais ça ne veut rien dire. Il a pu demander à quelqu'un de l'envoyer ici. Quelle photo? C'est rien. Retourne dans ta chambre. Je ne veux pas la laisser seule. Mais toi, vas-y, puisque le roi et moi, c'est si important pour toi. Quelle photo, maman? Larissa, tu veux aller dans ta chambre? C'est ridicule. Ah oui, c'est ridicule. Je me contrefiche totalement du roi et moi, et tu le sais parfaitement. On n'a pas passé une soirée tous les deux depuis 3 ans au moins. On n'a pas passé une nuit ensemble pour les mêmes raisons. J'aime nos enfants tout autant que toi. Mais on ne peut pas être que des parents, voyons. On doit aussi être un couple. Ma priorité, ce sont les enfants et leur bonheur. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour ça, Nelson. Et manifestement, tes priorités sont différentes. Alors vas-y, sors. Sors et amuse-toi bien. Je suis désolé, mais elle est énervée. Ouais. Il y a vraiment de quoi être à bout de nerfs. Quelqu'un t'a laissé un cadeau pendant que tu déjeunais. Un homme jeune. Quoi, c'est vrai? C'est Scott? Je ne sais pas, c'est Melissa qui lui a parlé. Oh, regarde, il y a une carte. Porte ça pendant notre lune de miel. Ça ressemble à l'écriture de Scott?
J'ai vu Derek Dawson, le capitaine vidéo. Il a passé un été d'enfer. Des heures dingues, un salaire de misère, plus un teint blafard dû à la vidéomania. Il est pas né bronzé, cet idiot? Je lui ai dit que toi et moi, on... on sortait. Il a dit que tu devais sûrement valoir le coup. Le coup? Enfin, d'accord, que t'étais chouette. Et intelligente. Je peux finir tes frites? Oui, vas-y. Et on a aussi parlé du type qui ne pensait qu'à toi. T'en es où maintenant? Il continue de t'ennuyer? Il peut pas se trouver quelqu'un de son âge? On peut pas parler d'autre chose. Bon. S'il avait la tête de Tom Cruise, je comprendrais pourquoi il t'intéresse, mais là... Tu la fermes et tu m'aides à trouver un ciné. Il y a un nouveau Dracula génial. Non, 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 pas de truc d'horreur, merci. D'accord. Bah alors, cherche avec moi. Je te préviens, ne la touche pas. Hein? Qu'est-ce que je viens de dire? Alors, ce type a plus ou moins disparu du paysage. Ouais. Du moins, je l'espère. Et je veux plus qu'on parle de ça. Pourquoi pas celui-là? Ça te plaît? De cassettes de New Age? Je m'y attendais pas. Oh, il y a une Winton Marsalis dans le tas quelque part. Ah, tu sais, je voudrais bien devenir ce Winton blanc plus tard, mais je dois pas avoir le talent pour. On dit que c'est difficile de passer de la musique classique au jazz. C'est toute une nouvelle technique. Enfin, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a un problème? Oh non, c'est lui, c'est Kurt. D'accord, cette fois ça suffit, je vais le tuer, ce type. Garde-toi par là. Non, il est trop cinglé. Grave pour la bouche? Oh. Non, c'est pas grave. Bon, bah alors tu... Je te téléphone. D'accord? Oui. Merci. Scott, ça va? J'en ai sûr. Et toi, tu peux conduire? J'ai une de ces peurs. On est à deux petites minutes de chez nous. Je vais rester derrière toi. Ça va, chérie? Tu veux un calmant? Non, non, je vais bien. Lorissa a des points de suture, toi un poignet cassé, et lui n'a pas une égratignure. J'ai failli le tuer, tu sais.
J'ai vraiment failli. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va, merci. Bonjour, Larissa. Bonjour. Carte? D'accord. Dis, comment elle va depuis le dernier épisode? Ça va. Si ce n'est qu'elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas rester seule ici, elle ne peut pas conduire, elle n'a plus d'amis. Qui a donné? C'est moi. Pour qu'on ne l'arrête pas, tu as dit qu'il y avait des témoins. Personne ne veut se mouiller. La mère de Scott refuse de porter plainte. Et elle ne veut plus qu'il revoie Larissa. Rick dit que vous devriez acheter une arme et le descendre. Ça me semble une solution vraiment extrême. Engager un type pour le calmer un peu. Oh, j'ai reçu une lettre de sa part. Il dit qu'il a trouvé un poste de gardien. Ah. Je veux donc dire qu'il a un superbe uniforme. Et une arme. C'est qu'on n'a plus besoin des parents pour qu'ils vous emmènent chez les copines. Partout où tu vas, il y a Kirk. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? C'est une mine à côté d'une bombe. Sympa comme petit ami. C'est bizarre, il est toujours là. C'est comme si t'étais hanté. Lui, c'est pas un fantôme. Il est vivant. Il communique par télépathie avec toi. Ma mère veut plus que je sorte avec toi le soir. C'est moi, ton admirateur secret. Larissa. Et c'est ça, Larissa. Le moment est arrivé. Larissa. Larissa. Larissa, ma chérie. Ma chérie, c'est fini. C'est fini. C'est fini, calme-toi. Alors, tu as fait un cauchemar. C'était un cauchemar, c'est tout. C'est fini, ma chérie. Maman est là. Chut, c'est fini. Vomit avant d'aller à l'école tous les matins. Elle fait des cauchemars toutes les nuits. Elle se contente plus de traîner autour de la maison et d'entrer à l'intérieur même de son cerveau. Et je n'ai aucun moyen de la protéger. On aurait dû déménager quand tout ça a commencé. Au lieu de rester bêtement accroché à nos principes. Il fallait quitter cette ville. Il fallait partir très loin. Il fallait tout recommencer ailleurs. Tu sais que c'est important pour elle d'être diplômée avec ses amis. Oh, elle devrait au moins avoir le droit de mener une vie normale comme toutes les autres jeunes filles. Il va sûrement toujours être là. Ça, on peut en être sûr. Ça fait tellement longtemps que tout ça dure. Et ça ne fait qu'empirer. Je le vois même dans son écriture. Et ça me fait peur. Et je jure que j'y peux rien. Je commence à avoir des idées bizarres. J'ai bien réfléchi. Finalement, ce serait pas un drame d'aller en prison. Si je pouvais le tuer, simplement pour la sauver. Si je pouvais nous débarrasser de ce fou pour toujours. Oh non. Et voilà, madame. Linda. Non. Non. Non.
Non, 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 emportez-le. C'est de notre part. C'était pour te remonter le moral. Je suis vraiment désolée. Porte. Linda. Tiens, voilà. Merci. Il détient le pouvoir maintenant. Il ne l'avait jamais eu avant. Il ne se découragera pas. Il n'arrêtera jamais. Linda. Écoute, il y a une femme dont on m'a parlé à Tella Assi. Elle a essayé de créer une loi. Une loi complètement nouvelle. Elle veut qu'il y ait une loi contre des gens comme lui. Elle essaye seulement, c'est tout. Elle essaye. En fait, je ne crois pas qu'elle soit vraiment aidée par les gens. J'en sais rien. Ray, je parie qu'elle n'arrive pas à se faire entendre. Je parie qu'elle fait rire tout le monde. Mais je peux toujours voir ce qu'elle peut apporter. D'accord. Chère Madame Hanson, je m'appelle Linda Anello et je vis à Saint-Pétersbourg, en Floride. J'ai eu votre nom grâce à une amie. Vous représentez pour ma fille un espoir de liberté et de bonheur. Je suis allée devant le juge 4 fois. Et lui, l'accusé, s'est à peine montré. Je suis allée voir l'officier chargé de sa mise à l'épreuve, mais il n'y va jamais. Il détruit notre famille, jour après jour. Mon travail s'en ressent parce que je m'absente beaucoup. Je vais au tribunal, où je suis auprès de ma fille. Nous nous disputons sans cesse avec mon mari. Et mon fils devient irascible et agressif. Je voudrais que vous puissiez connaître ma fille. Elle aime tout le monde et tout le monde l'aime. Elle mériterait de mener une vie normale, mais on lui refuse ce droit. Elle doit toujours regarder derrière elle. J'ai appris que la chasse aux alligators et aux homards de notre État était un crime, parce que ces créatures sont en danger. Toutefois, ce n'est pas un crime de chasser un être humain ici. Ça n'est même pas contre la loi. La vie de ma fille devrait avoir plus de valeur que celle d'un reptile. Si les alligators sont chassés dans le but d'être tués, quel peut être le résultat de la chasse d'un être humain? Que souhaite le chasseur? Allô, Madame Anello? Oui. Ici Carol Hanson, je vous appelle de Tallahassee. Bonsoir, chérie. Bonsoir. C'est quoi, ça? Oh, des photocopies des plaintes contre Kurt. Tous les mots, toutes ces lettres, il a la copie des notes de téléphone. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais faire un saut à Tallahassee vendredi. Je vais voir Carol Hanson, qui peut peut-être m'aider. Voyons, Linda, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller voir le gouverneur et... Il faut des avocats, des appuis et beaucoup d'argent. Et puis je tiens pas à ce que tu reviennes de là-bas complètement démoralisé. Nelson, je vais le faire, ne m'arrête pas. Si je ne peux pas la protéger, si son père ne peut pas la protéger, et si la loi ne peut pas la protéger, alors je m'adresse à ceux qui font les lois. Tu rentres directement de l'école et tu appelles ton père dès que tu es là, hein? J'irai. D'accord. Je t'aime, chérie. Au revoir. Au revoir. Je vous téléphone ce soir. On se revoit demain soir. Bonne chance. Merci. Marianne, tu viens? On va être en retard. Thank you.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on a pu côtoyer Kurt pendant 3 ans sans se douter de quelque chose. 30% des femmes tuées dans ce pays ont été frappées par un ancien mari ou un petit ami. Ce que mon amendement cherche à obtenir, c'est d'autoriser un officier de police qui n'a pas de mandat à arrêter un suspect comme ce Kurt Harper pour le problème qu'il crée. C'est exactement ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'amendement à être voté? Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à convaincre mes collègues. Mais vous pourriez peut-être raconter votre histoire au porte-parole de la maison. Certaines lettres sont particulièrement troublantes, c'est vrai. Et vous dites que ça dure depuis 3 ans, Madame Anelon? Elle fait des études supérieures. C'est une bonne sportive. Elle est très douée pour la musique. Elle est toujours sur ses gardes et elle a peur d'aller au collège à cause de lui. Elle est constamment sur ses gardes. Elle est tendue, nerveuse. Elle ne veut pas être seule. Ma fille a maintenant peur de quitter la maison. Je ne peux quand même pas la protéger 24 heures sur 24. Quand on voit des citoyens comme vous prendre le temps et l'initiative de venir pour défendre leur dossier, c'est ce genre de choses qui peut impressionner le législateur. Donc, si vous voulez nous aider à faire accepter cet amendement en tant que votante, je crois que vous pouvez accomplir davantage que les nombreux professionnels de la politique et leurs beaux costumes 3 pièces. Messieurs, je sais que vous êtes pressés d'ouvrir la séance, mais je voudrais vous présenter Madame Anello de Saint-Pétersbourg. Bonjour. Bonjour. Voici les délégués Clymer et Grayson. Madame Anello a décidé à me soutenir pour mon amendement. Sa fille est harcelée depuis déjà 3 ans. Avec tout le respect que je dois à votre amendement et à Madame Anello, cet État a des problèmes plus graves au point de vue fiscal, par exemple. Oui, je sais. Toutes les causes, tous les problèmes, toutes les crises sont plus importantes que ma fille. Je vous rappelle, Madame Anello, j'ai une sœur qui a subi la même épreuve que vous. Je sais quelle plaie cela représente et comme ça peut détruire une famille. Hélène? Oui? Je pars plus tôt. C'est seulement une liste des principaux événements que nous avons vécu avec lui. J'ai un calepin à la maison de 3 cm d'épaisseur rempli de toutes les menaces de ce fou, elle dit. Salut, Larissa. Je veux juste te parler, te prendre dans mes bras. Je ne vais pas te... Attends. Je ne veux pas te faire de mal. Non, je t'en prie. Faut pas avoir peur, il n'y a aucune raison. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça et écoute-moi. Écoute. Non. Non. Écoute-moi. Non. Non. Ça suffit maintenant. Non. Ça suffit. Ça suffit! Non. Mais je ne veux pas te faire de mal! D'accord? Je veux te serrer contre moi! Je veux juste te parler! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Rendez-vous 907. Arrête, voyons! Mais je ne veux pas faire de mal! Attends, écoute-moi! Arrête! Reculez, reculez. Contre la porte. Mais qu'est-ce qu'il y a? La porte, oui, ça. Arrête! Je t'en prie, je t'en prie! Je viens de vous dire de mettre les mains dans le dos. On se dépêche. C'est compris? Curtis Harper a été condamné à 13 mois de prison le 7 mai 1992. Il a été libéré en septembre 1992, mais arrêté de nouveau en novembre et emprisonné pour violation de mise à l'épreuve. Il a toujours voulu faire partie de notre famille. Et d'une étrange façon, il a réussi. Larissa est allée dans un collège loin de cet état et tout va très bien. Par précaution, en dehors de la famille, personne ne sait où elle est. L'amendement de Carol Hansen a été voté à l'unanimité par les représentants de la Floride le 1er juillet 1992.